Et coucou YouTube! Ouh là là, ça y est, je suis déjà perdue. Et bienvenue pour ce le, rediffusion de live de notre Sauberie. J'espère que vous êtes en forme, je suis désolée. Et on retrouve donc notre famille. Ah oui, c'est vrai qu'ils sont au taf! J'allais dire, mais pourquoi ils sont pas là, ces idiots? Bah oui, mais ils bossent ils sont décalés. Moi, j'ai du mal à m'habituer qu'ils soient en décalé. Ou eux sont calés, mais eux sont décalés. Ou alors ils sont calés et eux sont recalés. Je ne sais pas. Je ne sais plus. Donc, les gamins sont seuls à la maison. Hein, faudrait pas qu'un pédophile se pointe parce que là, il va se faire plaisir. En plus, c'est tout rose et tout. Ça peut donner des petites envies quand même. Hein. Bon, ça réveille, hein, tout ça. Tiens, tu boufferas ça, le pain au fromage, après. Ils sont au taf. Et qui c'est qui était mort déjà? Je sais plus. C'était quelqu'un que. Pas très intéressant. Tu vas travailler sur d'autres projets, voilà, ça monte un peu. Alors, toi, mon petit bichet, t'as faim. Tu vas sûrement pas prendre de l'eau. Ça ne nourrit pas son homme, ça. Hein? Faut prendre des trucs qui nourrissent. Voilà, tu vas bouffer ça et tu finiras tes devoirs. Ah, t'avais trouvé une coquille d'ormeau. Elle est bien, ça. Tu pourras la mettre dans ton slip. Comme ça, si tu te prends des coups dans les roubignoles, ben ça protège. Meilleur intro. Et la team Redi, vous saviez que Petroni était décédé, vous? Oh non! Ah, ça dépend s'ils ont beaucoup de retard sur le Lord and Lady. Si, peut-être qu'il y en a qui le regardent même pas, on ne sait pas. C'est quoi le but du challenge? C'est le nœud de Sauberie. Alors, normalement, je t'envoie sur les règles. Voilà, n'est-ce pas? C'est un legacy sur 10 générations où chaque génération a une couleur définie et. Outre cette couleur, qui comme tu vois ici c'est orange et les enfants seront de la génération rose, ont aussi des objectifs à faire. C'est-à-dire que la génération orange, qui est donc mon héritier, c'est lui, c'est Copper. Il doit tout simplement avoir le niveau 10 dans sa carrière criminelle. Il doit aussi maîtriser des compétences qui sont définies, en plus de les compétences qui sont dans. Demander dans sa. Dans sa. Son, sa pff, dans sa carrière. Et puis voilà, tout simplement. Et là, on est génération 6 parce qu'on est à la orange. Donc tu commences, tu as la menthe. Je vais te montrer d'ailleurs parce qu'on a un mur avec nos héritiers. Voilà où on en est. La génération menthe, la génération rouge, la génération jaune, la grise, la violette et la orange qui est celle actuelle. Et chaque génération a une couleur définie. Plus des objectifs. Voilà. Comme ça, tu pourras checker via les objectifs avec le lien que je t'ai donné. Et puis voilà. Et salut Rataga, comment tu vas? 70 $. Ah non, elle est décédée. Oh, vous êtes horrible. Tu fais tes devoirs, toi? Jacqueline, là? Et ici, c'est bon. Et elle, pourquoi elle est vénère? Toujours contrariée, se sent blessée par quelqu'un à proximité. C'est ton frère? Et j'en peux plus, hein. Ils se calment un peu, les gosses, là. Et dans n'importe quelle de mes parties, ils se prennent tous la tête, là. Hein. Ça suffit, hein. C'est bon? T'es plus vénère? Voilà, résolution de conflit. Raconter une histoire idiote, illuminer la journée. Et Cop Cop a reçu 1400. Regardez-moi comme il est beau, sexy. Oui, là, il est triste, mais il est beau. Puisqu'il a une belle tenue. Et au niveau de sa carrière, je vous rappelle qu'on est au niveau 9. Oh, peut-être y arriver. On ne sait pas, on ne sait plus. Qui sait? Qui sait? Sûrement le futur, mais pour l'instant, on ne sait pas tout. Et tu vas me préparer des pâtisseries puisqu'il faut qu'il fasse niveau 10 de pâtisserie. Donc voilà. Et des caramels mous. Parce qu'on aime tous quand c'est mou, le caramel. Ça fait moins mal aux dents. Voilà. Je t'ai pris ton Sims, Jamie. Être comme papa pour la génération. Oui, j'ai vu ça sur Discord, merci, ça fait plaisir. C'est vrai que je crée pas beaucoup de Sims. En vrai, juste si je m'en sers pas donc pour un challenge ou pour une représentation de quelque chose. J'en crée rarement en fait, mais ça fait plaisir. Salut Banner, comment tu vas, ma belle?
Je vais me choper un verre d'eau, j'ai mon hockey qui est revenu. Et team hockey. Check. Ah mais on est dimanche. Je croyais qu'ils allaient aller en cours, moi. Oh, mais ils servent à rien, ces gosses. Qu'est-ce qu'on va faire d'eux? C'est vrai que la semaine dernière, on avait été à la plage. Mais écoute, on va aller au ski, là, ce week-end. Hein? On va les occuper comme il faut, là, quand même, les gosses, là. Bon, là, lui, il fait à bouffer. Tu me dirais, il faut qu'il dorme aussi. Hein. Il faudrait qu'il aille dormir. Bon, tu fais ça, et puis après, t'iras dormir, tout simplement. Ça, quand tu te lèveras un peu plus tard, eh ben, on ira au ski, là. Enfin, les gamins, ils iront faire de la luge et tout. Faudra bien les occuper, hein. Bah, Georgette, là, rends-toi utile, hein. Fais le ménage. Cuisine. Putain, j'allais dire, il l'a mis où? Je le voyais pas. Il a fusionné avec le pot de fleurs. On dirait que le pot de fleurs, il a une soucoupe, comme dans la vraie vie, en fait. Bah non, c'est parce que le pain, il est... N'importe quoi. Ça va bien, Banner. Salut le beau Sims, comment tu vas? C'est quoi ton pack préféré entre écologie et escapade? Saison? Un truc qui a rien à voir. J'en sais rien du tout. Escapade, il est cool parce qu'il y a du gameplay un peu plus qu'écologie. Mais c'est chiant parce qu'il faut toujours bouger pour le faire, tu vois. Tu peux pas le faire chez toi et tout, machin. Mais écologie, c'est chiant parce que les plans d'action sont relous, voilà. C'est au bout d'un moment. Hein. Mais qu'est-ce que je préfère? Je sais pas. On va aller en scout. J'ai jamais fait le truc de scout. Jamais, jamais, jamais. Jamais, jamais. C'est vrai, hein. Je sais même pas comment on fait d'ailleurs. Tu peux pas nettoyer ça? Ah, oh, ça sert vraiment à rien. Allez, va jouer Cerebral Fly et lui parler, le réconforter. Il est où lui? Mais qu'est-ce qu'ils ont? Pourquoi c'est des robots aujourd'hui? C'est bon là! Prenez votre Kabuto et. Festival des enfants. Kabuto, c'est quoi? C'est pas les machins, les Pokémon? Mon petit te demande si tu peux mettre des décos de Noël. J'ai mis le son pour qu'il t'entende répondre. Mais elles sont là, mes décos. Voilà, c'est tout. C'est déjà pas mal. Et j'ai mes guirlandes autour. Voilà. Faut acheter le tableau. Ah ouais. Ça, les gamins, ils jouent au nounours. Non mais moi j'ai pas la place pour mettre des décos de Noël chez moi, j'ai pas de sapin, je l'ai viré. Le sapin que j'avais, il était... Bon, il prenait trop de place. Puis franchement, je m'en fiche. Donc voilà, il y a pas de déco à la maison. Je suis sortie là, et je suis quand même la belle et grande guirlande. Non, et puis j'ai mon sapin. Alors là, on le voit pas. J'ai mon sapin. Roi des forêts, regardez, il est là mon sapin. C'est mon sapin. C'est mon sapin, ça. Je sais que j'ai trouvé pas de cadeau, par contre. Hein. Ça, j'ai bien compris. Oh, je bouge la cam. Il parlait du jeu. Ah, mais non, on est en été dans le jeu. C'est pas Noël. C'est l'été. Vous ne va pas faire Noël en été. On n'est pas en Australie. Je pensais déco dans les Sims. Bah vous avez compris, mais pas moi. Alors moi je pensais que c'était chez moi. Ils sont à fond, hein. Bon allez, t'as assez dormi ou pas? Est-ce qu'il bosse? Ouais, il bosse quand même. Hein. Minuit. Oh, mais il est chiant lui. Et une heure. Ouais, mais après il faut qu'il crée un machin aussi lui. Hein. C'est chiant. Allez viens. Allez, viens, Jacqueline, tu vas manger. Hop, allez, vous venez tous là, vous allez vous lever. Alors, on va aller quand même faire de la luge. Il y a de la neige, ça devrait aller.
J'ai hâte de les voir plus grands. Ils grandissent quand, ces machins-là? 7 jours. Ouais, on a le temps. Non, tu vas pas demander conseil. Tu vas épicer. Il a dit d'accord, d'accord, d'accord. Bah oui, c'est l'été dans le jeu. Regarde. Sinon, le sapin, il va fondre. Eh, c'est le mont Komo, Komo. Komo, Komo. Non, non, il fait chaud, là, chez eux. Ça se voit pas, mais il fait chaud. Hello, Smith. Maman, elle s'est dit, oh, ben, dis donc, je pue la merde, moi, aujourd'hui. Tabarnak, je pue. Ah, tu penses avec sa sœur qui a eu un, qui s'est mis un look d'enfer. Un look d'enfer. Petit tour d'horizon d'ailleurs pour. Ah, alors elle s'est mariée mais elle n'a pas d'enfant. Sunset n'est pas mariée et est-ce que Foxy il est marié? Non. Ouh là là. Bon, hein, maintenant c'est un peu pauvre hein, au niveau de l'arbre généalogique. Hein. Clément, le fils de Minnie, mais alors il n'y a plus les autres. Hein. Ça a bien changé, hein, c'est dommage. Pas de soucis, regarde. J'ai l'impression qu'il ressemble à son papa, ce petit loup-là. Oui. Enfin, je sais. Enfin, je dis ça, mais physiquement en tout cas. Non, tu laisses ton père non, tranquille. Oh. Va. Oh, tu me saoules. Eh, va manger. Allez, tous manger. Bon, toi, arrête de parler, va te laver, tu pues. Voilà. Toi, tu me reprendras une assiette. Bon, ah, je vous avoue, avant de commencer le live, j'ai mangé un petit bout, là. Un petit bout de pain. Un petit bout de baguette au quinoa. Avec un petit salami, un petit fromage de chèvre. J'étais là, oh, je reprendrai bien un deuxième. Je dis, ouais, non. C'est comme ce midi, j'ai mangé une soupe. Je me suis dit, j'allais avoir la dalle d'ici la fin du live. Donc, j'ai prévu, j'ai mangé un petit truc. C'était mon goûter. Si Génésien était notre Sauberry, on disait que c'était lent. Après, tu as dit, faut qu'on avance plus vite. J'ai dit, faut qu'on arrête de parler. Pour qu'elle avance plus vite. Non, parce que je parlais du... Du Lord and Lady. Je suis en train de manger McDo. Ah bah, dis donc. À cette heure-ci? Ah non, il est 19h30, j'ai rien dit. Dans ma tête, il y a encore... C'était il y a une heure, tu vois. Il était 18h. Je... Comment à 18h? Ouais, fais le ménage, toi. C'est bon? Allez, Copper, là. Tu bouffes et on y va. Mais... Ça va pas commencer, hein. J'ai mis une poubelle. Hein. Dépêche-toi. Oh, tu vas me jeter ça. Allez, dépêche-toi. Plus vite que ça. Faut qu'ils servent, ces gosses, en attendant. Allez, go! C'est parti. Quand je laisse mes Sims repartir avec l'héritier, ils divorcent et refont des gosses. Mon arme est immense. C'est le MCC qui fait ça. Du, du, du. Allez, go! C'est Chamallow qui emmène toute la famille. C'est lui qui paye la tournée. Tam, tam, tam. Alors, ne vous enjaillez pas. Oh, l'autre avec son bonnet de merde. On l'avait débloqué, on le met. C'est comme ça. On va donc faire de la louge. Ouais. Alors, chacun un des... Alors, papa, il va voir sa fille. Et la maman, elle va voir son fils. Faire des surprises sur débutant avec... Continuellement avec sa fille. Et elle avec... Continuellement son fils. Go, les asticots. Tu veux faire de la luge? Ouais. Allez là. Tout le monde en piste. L'autre il se la pète avec sa veste Moschino là. Oh, Lord Berry ou Notre Soledi. Hey, Notre Soledi, ça aurait pu, ça sonnait pas mal, j'avoue. Ah mince, je vais changer le nom alors. Notre Soledi. De toute façon, on a déjà deux héritières femelles pour les héritières.
Faire du ski en été, c'est un principe. Mais oui, mais ils sont partis loin là. Ils sont partis dans un autre monde. Puis il fait froid, donc c'est logique d'aller dans le froid. Oh, il refait la tronche, il m'énerve. Alors, vas-y, Jacqueline. Mince. On voit rien. Waouh, bah dis donc, c'était pas super, hein. Allez, cop, 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 cop. Bon, ça va. Attendez. Bien sûr, vous imaginez qu'il faut que je fasse à chaque fois la petite miniature, hein. D'ailleurs, YouTube, il doit adorer ce moment-là. Ils vont dire, qu'est-ce que c'est inutile? Mais oui, mais c'est pour vous que je fais ça, les enfants. Il était comme ça, il était chelou. Je me suis niqué le dos à faire ça. Ruskan Lagor. Yeah, viva! Vous êtes en retard, hein. Les deux autres, ils sont déjà partis, hein. Comment elle marche? Bah elle marche chelou, elle marche super vite. Elle a pas des assez grandes pattes comme son père. Ils sont déjà là-haut. Hein. Ouais, une luge orange. Oh putain. Une luge orange. Hop là. Mince, ils sont par là. Et c'est où qu'ils font du hors-piste là, qui sautent et tout, c'est pas drôle. Ah ça y est hein. Ça y est, nous on fait de la luge, il y a tout le monde qu'il fasse de la luge. Hein. Pff, quelle originalité, hashtag, quelle originalité, hashtag ça me saoule, hashtag le hashtag que je veux. Salut Valouche Kaya, comment tu vas? Désolée, hier soir je me suis endormie. Non mais c'est pas grave, tu sais, je pense qu'entre le moment où t'es arrivé et au moment où il a fini, c'était pas très très long. Ouais! Oh le bug! Merci le MCC. Alors, bah tu vas... Ah non mais tu vas recommencer. Mais il n'y a pas une piste un peu plus... Ouais voilà, tu vas débutant continuellement avec Sakura. Oh, il y a quelques personnes qu'il n'aime qui avec qui il s'est fighté dans le coin. Mince, elle est où elle? Oh, pff, oh merde! Oh merde, justement, c'était eux! Oh! Oh, trop bien! Oh, par contre, il a une gueule, l'autre là. Comment c'est possible de faire une tête pareille? Alors, elle est contente. Lui, il est vachement moins rassuré quand même. Hein. Bon, ils sont pas morts. Mais vous êtes à la bourre, vous! Et elle marche chelou, hein. Elle marche super vite. C'est trop bizarre. Ah! Salut Jaro, comment tu vas? C'est l'heure de la pub pour ceux qui ne sont pas sub, enfin je sais pas qui la verra, mais sachez que je vous remercie déjà beaucoup pour ces visionnages de petites pubs qui me rapportent des petits simflouzes, des bisous. Voilà, c'est parti. Ah! Alors, ils vont décoller là. Ils vont décoller. Et les deux vont partir en même temps, regardez-moi ça. Wouhou! Ouais, ils font la même tête. Hein. Attendez. Je vais le mettre sur elle, comme ça. Hey, la gamine, elle décolle complètement. J'adore. Wouhou! C'est trop cool, la vie! Ouais, après c'est rigolo, mais c'est pas, tu peux pas faire ça dans 10 ans, tu vois. T'essayes ça parce que ben, oh là, on a été à la plage la dernière fois. Vous croyez quoi? Moi, j'y vais que pour des screens. Jouer? Pff, pourquoi faire? Ça va, ça va, ça va, Jaro, ça va bien. Ah, ben là, elle a une meilleure tête quand même. Ah, ça c'est mieux. Excusez-moi, hein, je prends le temps, mais comme ça vous voyez aussi.
On prend le temps de d'apprécier ce moment. Par contre, c'est pas terrible. Ouais, peut-être comme ça, la miniature. S'il faut que je pense que j'ai un... Merde, j'ai le truc à mettre sur le côté. Putain, mais je sais pas. J'y arrive pas, je suis débile un peu aujourd'hui. Attention, il va y avoir un atterrissage. Oh, ça va. Et les autres? Bon, tranquille. Yeah. 70 $. Bonne réputation. Oh, ils sont amis. C'est trop mignon. Ah, je dis rien, lui aussi, il marche super vite. C'est chelou, hein. Ils sont bizarres, ces Simpsons. Et lui, il fait encore la gueule. Moi, je suis mon papa. Parce que mon papa, c'est mon papa. Et c'est le plus beau, le plus fort, le plus orange de tous, mon papa. Ah, les autres, ils vous dépassent. Là, là, l'air. Avec ton humour, c'est spécial. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? J'ai toujours pas testé les gameplays de l'escapade. Bah, écoute, comme ça, tu le vois. Hein. C'est... Bon, c'est un peu toujours la même chose, mais... C'est rigolo! Ah, ils se sont cassés la gueule! Coup dur pour les joueurs français. Bah, lui, qu'est-ce qu'il vient? Pourquoi il est en ski? Mais on peut pas descendre en ski? Bah si. Mais on peut descendre en ski, si? Position... Ah si, j'avais pas vu. Mais ils sont... Mais il est où, lui? T'en as marre? Non, mais c'est bon, hein. Dans ce cas-là, on va juste faire les gamins... La petite, ça va faire du ski, et puis basta, hein. Faire du ski pour débutants. Allez, go. Eux, ils vont encore refaire ça. Attention. Wouh! C'est un peu compliqué à suivre, hein. N'importe quoi! Nous n'avons pas les mêmes valeurs. Salut la drôlesse, comment tu vas? Première journée sur Twitch, je débute carrément, mais j'aurai sûrement besoin de vos tutos. Des tutos! Aïe aïe aïe! Pour faire quoi? Bah tu y arrives très bien, t'as créé ton compte, tu essaies d'accéder à des chaînes, tu parles. C'est très bien. Regarde, t'es tellement déprimant qu'il a même pas voulu parler avec toi. Jean-Claude. Pas dormir là-dessus. Hein. Il fait beau. Il pourrait dormir quelque part. Comme un clodo, non? Tu pourrais faire de l'escalade? Mince, Attendez, c'était la mienne, celle-ci. Oh, j'ai oublié de regarder. Oupsie. Je les ai complètement abandonnés. Bon, allez, vous, c'est votre dernier tour aussi. Donc, moi, ça passe vite. Hein. Ils font que ça. Mais au moins, ça passe. On peut pas rentrer trop tard parce que... Ils doivent bosser, les parents. Mais... Cucu les copains du livre et de YouTube. Coucou Marie, comment tu vas? Alors toi, tu vas faire du ski aussi, tiens. Hop. Ah ouais, on va suivre Sakura. C'est la relève. J'espère que elle et son frère seront pas trop dégueulasses quand ils vont grandir, parce que... Attends, j'ai... Putain, Bichette, je suis pas prête. Je suis pas prête. Je suis pas prête, je suis pas prête, je suis pas prête, je suis pas prête. Pardon. Oula! C'est bon, elle est pas tombée. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. C'est beau, hein. Par contre, au niveau paysage, c'est très très beau, hein. Ils ont fait des couleurs dans le ciel. Avec le blanc des montagnes et tout, c'est quand même J'arrive magnifique. pas en avance car j'ai dû courir après le lapin de Lepape qui a voulu se sauver. Encore? Et pourquoi vous l'ouvrez sa cage alors? Ouvrez, ouvrez sa cage au lapin! Il voudrait s'échapper, c'est bien!
Il en a marre de se prendre des gros calamars. Vas-y, mon petit. Ouais. Oh, GG. Mieux que moi. Hein. Moi, j'ai pas réussi à faire aussi bien quand j'étais jeune. Hein. Ou purée de pommes de terre. Oh, ce rattrapage était magnifique. Non, c'est bon, tu peux. On va arrêter. Oh, on va arrêter là. Elle. Qu'est-ce qui est quoi? Non, mais on s'en fout. Et toi, t'es où? Il est parti s'asseoir. Ah non, tu parles à la moche. Allez, on va rentrer à la maison. C'est sympathique. Ah oui, c'est vrai, j'allais repartir, mais non, on habite dans le coin. On habite sur la même map, j'ai plus l'habitude. S'il faut qu'ils descendent, enfin, qu'il faut qu'ils se reposent, les parents. C'est impératif. Ils grandissent quand? Dans 6, 7 jours. J'ai regardé tout à l'heure. J'y pigerai avec les bits et les abonnements d'habitude. Je te suis sur YouTube. Mon pseudo, c'est Manon T. J'ai voulu en aller sur Twitch. Ancienne team rediff le samedi soir pour le Not So Berry. Ah, ça fait plaisir! Bah écoute, bienvenue sur les lives. Avec très très grand plaisir, je t'accueille. Alors, pour ce qui est de l'abonnement et des bits, c'est payant, évidemment. Il faut que tu achètes l'abonnement ou les bits. Les bits, c'est selon le nombre que tu veux. Voilà, mais bien sûr, tu n'es pas obligé. Tu peux juste follow. Le follow est gratuit. C'est appuyer sur le cœur que tu dois voir, je crois, en bas. Et ça, c'est gratuit. Ça veut dire comme si tu étais abonné sur YouTube, tu reçois des notifs, tu peux assister, tu peux discuter, tu peux regarder les lives. Il n'y a aucun problème, tout est gratuit, tu peux profiter. Ensuite, tout ce qui est sub, donc qui est un abonnement, le souscrire ou comment ça s'appelle, rejoindre ou je sais pas quoi sur YouTube. Là, tu as trois paliers. Tu as le 5 euros. Alors, ne, si tu es sur téléphone, c'est pas intéressant. Je te dis tout de suite, je te conseille d'aller sur ordinateur. C'est beaucoup plus cher sur téléphone. On ne sait pas pourquoi, mais bon, c'est comme ça. Tu as le tiers 1, c'est le moins cher, il est à 5 euros. Ah, mais arrêtez! Oh! Ils sont chiants. Tu as le 5 euros, tu as le 10 euros et tu as le je sais pas combien d'euros. Mais la plupart prennent du moins cher, et ce qui est bien logique, et ce qui est bien normal. Et pour ça, tu es sub pendant un mois, et pendant tout le mois, tu as les émotes de la chaîne qui sont donc utilisables. Comme le cucu, que tu peux voir. T'as aussi une saucisse, voilà, machin. Bon, c'est des délires qu'on a avec les lives. Mais voilà. Pour résumer un petit peu, hein, désolé, mais j'ai pas trop de temps du coup. Ben. 25 balles le dernier? Ah ouais! Waouh! Ah, c'est cher. J'ai loupé beaucoup? Un petit peu. Mais il m'est saoul lui! Casse-toi! Dégage! Qui c'est qui a cassé les toilettes? Ah. Arrobase, il taille une fois les Sims, il faut faire l'épilation à la lumière pulsée. Ça, c'est la discussion qu'on a eue hier, ça. La déforestation, ça m'étonnerait. En plus, t'es blonde. Ce serait étonnant. Ah bah tiens, pour changer, tu vas faire le ménage. Ils sont dans le même état, les gamins. Ou quasiment. Lui, il doit juste aller aux toilettes. Ouais, c'est bon, ton phare, il fait le ménage, regarde. Puis tu pourras aller dormir, toi. Bon, il est un peu tôt, mais les parents, ils vont bosser. Donc, à part faire les gogoles sur la luge, c'est bien sympa 2 minutes. Sauf que, ben, s'ils dorment pas, c'est la marde pour eux. Depuis des années, j'entendais parler des subs, j'ai jamais osé vous demander. Ah non, mais pas de soucis, hein, pas de soucis. C'est vrai que, du coup, on dise plus sub pour ce qui est de Twitch et sponsor sur YouTube. Mais comme sur YouTube, je fais plus de live, mais les sponsors ont l'avantage d'avoir toutes les vidéos en avance, sauf les actus ou les rediffs de live. Et bien sûr, les vidéos Game Changer, je ne peux pas non plus les mettre en avance pour eux. C'est pas possible. Oui, tu veux que je te montre ce qu'est une forêt. Je pense qu'ils vont être en retard. Ouais, faut que t'ailles bosser. C'est pas grave, tu pisseras là-bas. Par contre, cop cop, faut quand même que t'ailles pisser avant.
Alors, tu vas te réveiller, Cop-Cop, et tu vas faire ton petit pipi. C'est mon héritier, c'est normal que j'en prends plus soin. C'est complètement normal. Je veux dire. Elle, c'est juste une pondeuse. Je la garde parce qu'elle gagne beaucoup d'argent. C'est horrible. Qu'est-ce qu'elle a, elle? Pourquoi tu gueules comme ça, cette heure-ci? Tu dors, wesh? T'as école, hein, demain? Elle est folle, celle-ci. Et on va espérer. Ah, mais il est triste, mais ça me saoule. Non, c'est quoi? Non, 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 va pas au boulot. Va pas au boulot. Oui, c'est ça. Manque le travail. Tu vas faire ça, là. Vas-y, fais ça. Ça va le baisser un bon coup. J'espère. Ça va pas mieux? Eh ben, tu vas appeler SOS Tristesse et après tu vas taffer. Ça me saoule, hein. Il sera en retard, mais bon. Casse les noix. Ouais, 4 heures. 3 heures. Voilà! Bon, il y a une heure de retard. Mais il sera pas triste tout le temps. Voilà, il va mieux. Alors, Emmanuel Ma, on s'en fout. C'est pas elle qui est intéressante. C'est Copper. Copper, bah, il a pas créé son virus, donc il aura pas du tout de truc à gagner aujourd'hui. Il aura pas sa promotion, quoi, je veux dire. Donc ça craint. Voilà, pendant ce temps-là, bah, les gamins sont toujours tout seuls dans la maison. Heureusement qu'il n'y a pas de pédophiles ou de pervers dans les Sims. La 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 la. Et lui se lève à 6h du matin, ça va. Ça, il s'est habitué à faire le ménage, hein, le gamin. Eh, prends des restes. Mange, mange, petit enfant, mange. Mange du bon pain que ton papa il a fait. Après, tu iras prendre une douche. Tu feras les pieds. Ça, il passe bien, regardez. Énergie du travail. Et style de vie, bourreau de travail. Oh, j'avais pas fait gaffe. Et elle est déjà rentrée. Elle va se coucher. Il est bourreau de travail. Ça m'étonne même pas. Hop, ça fait augmenter ici. Oh, ça sent bientôt la promo, hein. C'est trop bien. Et au niveau des compétences, on en est où? Programmation, on est à 8. Il nous reste 2 niveaux. Charisme, pâtisserie, il nous en reste 3 et 3 et demi. Enfin, bientôt à 8 et à 7 et demi, donc ça fait 2 et 2 et demi, quoi. Bon, il y a encore du taf, hein. Il y a encore du taf, mais bon. On y croit, on va y arriver. Ah, ça y est? Non, ils sont. Bah non. Ah, mais il est dans la douche. Mais va manger, toi, courgette. Merde. Il est loin l'appart pourri qu'on avait avec Copper. Hein. Tant mieux. Tant mieux. Hop. Oh là là, regardez! Il sait bien utiliser son zizi, hein. Oh, c'est bien ça. T'as bien visé. T'en as pas mis à côté. Balèze. Même des adultes n'y arrivent pas. Se faire des contacts, ça marche pas. Ah là là! 1638 et il n'en puis plus. Tu vas me faire une doudouche? Ah, il faudrait qu'il se. Tu sais bien, elle va se réveiller, ils vont faire crac-crac, ça va le remonter son petit moral là. Il a besoin de se divertir, le bichon. Et eux, ils vont se faire des amis à l'école. Faut qu'elles servent, hein, quand même. Pas de soucis, Valushka. Non, non, c'est bon. Vous allez, hop, tac. Petit crac-crac des familles, là. À rencontrer Yann. Y a rien de tel pour remonter le moral. Parce que les adultes voient leurs zizi plus long qu'ils ne l'est. C'est possible, je sais pas. Je ne fais pas partie de ces personnes-là. Il lui reste quoi faire copère pour valider sa génération? Bah, du coup, je sais pas si t'as demandé avant qu'on voit, mais tu vas pas dormir sur le canapé? Quand même, vous êtes un couple. Tiens, tu vas m'en... Non.
Manger. Oh là là, ça m'agace. Ils le mettaient trop. Là, c'était là et maintenant ils l'ont bougé. Là, ça m'agace. Tu vas manger un truc et puis tu vas te coucher. Du coup, voilà. Il y a un niveau au. Un niveau au travail, je vais y arriver à parler. Et donc, ben, niveau programmation, charisme et pâtisserie a augmenté également. On n'est plus très très loin, mais. On n'avait pas dit qu'on Automne. remettre Cooper au sport. Visage avec des larmes de joie. Pourquoi j'ai pas eu la musique? C'est bizarre, elle m'a pas fait la musique, Chantal. J'avais demandé juste avant, donc j'ai ma réponse. Ah, d'accord, ok, nickel. Comme ça, t'as. Pile au bon moment, sans le savoir, je t'ai lu. Et j'ai répondu à ta question. C'est merveilleux. C'est une connexion entre nous. Quoi, on peut toujours rigoler, non? C'est pas vrai? Ah, vache. Ah, je l'ai pas entendu, le gling-gling. Oh, c'est moi qui suis sourde. Bon. Yann et Audrey, Arthur, ouais, vas-y, ramène Arthur. On va voir à quoi c'est. Oh, un projet scolaire. Bonheur. Oula, qui c'est qui pue? Ah, c'est le barbu, je sais, mais quand même. Alors, faites-moi voir ça. Là, ça va pas être bon, ça. Ah non, c'est les yeux marrons. Bon, il servira pour le projet scolaire, mais pas plus, hein. Le reste, on s'en fiche. Alors, tu vas me le mettre là. Tu vas travailler soigneusement pendant que ta sœur elle se remet au boulot de ces journées-là. Bon, vous allez pas mettre 3 heures à tergiverser sur une goutte de pluie, là. Que même. Taquine à propos des notes, non mais. C'est bon? Demandez de l'aide pour le projet. Voilà, comme ça ira plus vite. La nounou qui est un harceleur. Je vous jure, heureusement qu'il sait pas que les gamins ils dorment seuls la nuit parce que je suis sûre qu'il viendrait en traître là faire des trucs bizarres aux gosses. J'en suis sûre. Genre les télépathes, exactement. Oh non, il y a l'alien qui est pas loin. J'ai entendu un truc chelou. Enfin, ça ressemblait au gamin alien là qu'on avait reçu une fois. Non? J'avais pas vu ça. C'est mignon. Ça sert à rien, mais c'est mignon. Vous avez vu les vapeurs qui s'échappent des plaques d'égout? J'aimerais pas être dedans. J'ai cru entendre un truc d'alien. C'est moi qui suis bizarre. Ah, mais c'est lui l'alien! Non. Je sais plus. C'était lequel qui était alien? Bon, après, ça arrive à tout le monde. C'était lui, Marc. C'était Marc l'alien. Quenoho! Avez remarqué qu'ils y touchent pas du tout, ils font que parler. Et le machin bouge tout seul, quoi. C'est bon là, Jacqueline? Mais la meuf, qu'est-ce qu'elle fait? Elle retourne dans la baignoire. Non, mais dis donc. C'est pas toi qui payes les factures? Ça se voit, hein. Bon, Jacqueline, tu vas te lever aussi, toi. Douche, pipi. Pas touche pipi, hein. C'est où la boîte aux lettres? Ah si, elle est sur le mur. Elle est là. 973, ça va. On a de quoi faire. Nick Cop Cop est en pleine forme là. Il va nous cuisiner un truc en se levant après avoir fait pipi. Puis il va créer un virus. Hop. Alors, préparer des pâtisseries. Encore, oui, tout à fait, des bagels nature. Voilà, projet scolaire est terminé. Mince, c'était quoi le truc qui a été voté? Promouvoir la bagarre, mais quel bonheur. Eh ben, c'est bien! Comme ça, toi, tu vas pouvoir le mettre dans ton inventaire.
Et ta sœur, elle va faire le sien et vous serez deux à l'aider avec. Ça qui est beau. Allez, commence à travailler soigneusement. Vas-y, Gertrude. Tu vas réquisitionner lui et ton frère. Hop, voilà. Non, elle est plutôt chimiste. Je vais me laver, soyez bien sage. C'est bonne douche, Marie. Je connais, je sais que c'est Marie. Je le sais. Toi bien parler Simlish, ya. Ya, ich weiß Simlish, ya. Ich weiß Simlish. Allez, fais... Merci, j'ai mis pause. Fais-nous des bons petits plats. Ouais, Chamallow est devenu responsable. Oh. C'est bien, Bichet. C'est quoi ta recette de bagel, mon petit cop-cop-cop-cop, parce que... Ouais, j'en avais fait, hein, des demi-catastrophes et des très bien. J'ai déjà oublié où j'avais pris la recette. Oh, des zombies. Faut la mettre sur le trottoir pour qu'elle gagne de l'argent. Oh. Encore attendre un peu. Mais arrête de le mettre dans le pot de fleurs. Bon sang de bonsoir, de petit bon sang de bois de petit. Voilà, tout le monde va bouffer les bagels. C'est thriller le truc. Souvenez-vous dans les Sims 2 où Shirley elle fait thriller. C'était trop marrant. Salut Sweetsen, comment tu vas? Salut Lydie, comment tu vas? Vous allez bien les filles? C'était moi au réveil ça. Attendez. On est vraiment sur du thriller like là? Oh non, je voulais voir la suite. Oh, je suis tristesse. Je suis tristesse. Ah, tout ça pour regarder ça, là. Oh, c'est pas mieux. Hein. Oh, ça va bien, Sweetson. Ah, c'est cool, il va pouvoir se mettre à programmer là. Crée un virus. T'as pas le temps de te parler à tes enfants, mon petit. Tu vas regarder un film avec ta sœur, tiens. Le retour du chien perdu. Allez. Elle bouffe des céréales. C'est pas nourrissant, tu sais, ton père il t'a fait des bons petits bagels nature. Tu mets un peu de cream cheese là, un petit peu de saumon, un petit peu d'avocat. Mmh. Ah là là. Ça, les gamins ils sont occupés. Ah bah voilà, au moins t'es utile, tu fais enfin le ménage. Ah, ça en a cassé le. Bah tu le répares, tiens. Pendant que notre cop-cop national crée son petit virus. Ah ouais. Ah ouais, j'ai quand même... il a mis le temps avant de bosser parce que... Est-ce que vous croyez qu'on va le faire aujourd'hui, le niveau 10 du boulot? Est-ce que vous croyez que c'est possible? Tu me fais penser que j'ai des avocats dans le fond du frigo. Aïe, aïe, aïe. Ah, j'espère aussi qu'ils sont pas trop passés parce que... Moi, du coup, ce que je fais, parce qu'à chaque fois, je n'arrive pas à faire à la bonne date, les avocats. Donc, j'en ai acheté déjà coupé en cubes de chez Picard. Du coup, ils sont toujours bien. Quand tu les décongèles, ils sont toujours parfaits. Ça coûte cher, hein, le sachet, mais j'en mange pas tout le temps. Mais il faut que je m'en refasse, là, des bagels. On y croit, moi, j'y crois, il y a moyen. Ouais, il y a moyen. Il y a moyen, là, il va au boulot 2 jours de suite. Donc, il y a moyen de bien grimper. Peut-être le jeudi. S'il n'a pas le jeudi, il faudra attendre encore un moment.
Mais bah ouais, pas con, bah tu crois que tu parles à qui là? Ah, dis pas que c'est encore la nounou. Ou le nounou. Ah non, c'est qui ça? Marina Sato, quel look. Est-ce que vous serez pas une vampire, vous, comme par hasard du par hasard? Hein? Vous avez l'air d'être une vampiresse. On vous connaît pas, on vous ouvre pas. Nous, on est comme ça, nous, on n'aime pas, n'aime pas les étrangers. C'est pas vrai. C'était bien, les enfants, le film. Ah. Allez au lit maintenant. Vous allez vous coucher. Voilà, eux, ils ont une vie à peu près normale, les gosses, quand même. Non, dormir. Pas faire une sieste. C'est bien. Le chamallow, il est plus éduqué que sa sœur, hein, quand même. Je tiens à le dire. Pourquoi pas les congeler toi-même, les avocats? Parce qu'il faudrait les congeler quand ils sont pile mûrs. Et comme justement, c'est ce que je disais, j'arrive pas à trouver le bon moment quand ils sont bien mûrs. Et pas quand ils ne le sont pas encore assez ou quand ils sont trop passés. C'est faisant que tu t'es pas fait. Dans les ailes, je voulais. Ils sont gentils avec moi. En même temps, je les supprime régulièrement, les vampires. Hein, donc, je les ai laissés finalement que dans le Legacy parce que j'en ai eu besoin. Ça se congèle, les avocats? Ben écoute, oui, parce que Picard en vend, donc oui. Exactement, Jaro. Et je l'ai dit quand même, Martial, hein, franchement. Elle bosse dans une heure, qu'est-ce qu'elle va... Bah elle va bien. Bah fais le ménage, Georgette, si c'est sale. Allez, dégage. Vide-moi ça. Effectivement, avec une poubelle comme ça... ça doit pas sentir bon. L'odeur des Gyoza. C'est quoi ça? C'est une fleur? Tout se congèle en légumes. Même les aubergines et les courgettes. Écoute, truc de gamin. C'est elle qui regarde les programmes de gamin et puis elle se plaint. Ils sont mignons. Ils se sont dit bonjour comme si c'était pas parlé de la journée. Ce qui est sûrement le cas d'ailleurs. Des raviolis japonais. Bah des raviolis quoi. Moi je congèle mes courgettes, mes poivrons. Bah oui, poivrons, oui, tout à fait. J'en ai moi. Faudra que je me fasse un cake d'ailleurs. J'ai plein d'idées de plats là, mais faut pas que j'en fasse trop parce que je peux pas, je suis toute seule, donc je peux pas en manger 36. Bon, arrête de lui parler là, tu le perturbes. Dégage, va là-bas. Il t'écoute plus. Va pas bosser? Mais va bosser, gourdasse! Bon, c'est bon, il est à 10. Tu vas arrêter de créer le virus. Tu vas me faire une petite douche. Tranquillette, là. Clac, clac. Tac, tac, zigzoug. Le temps qu'il aille, voilà, pour bosser, quoi. Alors, il y a un chat qui se balade là, on va le mettre là. Et on va sauver les bagels, on va les mettre au frigal. Minou Actuaya. Tout ce que j'aimerais, même si tu as des bananes trop mûres, hop, on congèle pour les smoothies, pour faire des sorbets. Et trop mûres, tu peux faire des gâteaux avec, hein. C'est ce que je fais, moi. Moi aussi, tout seul, donc je congèle beaucoup de choses. Ben là, j'ai racheté des pommes duchesse aujourd'hui. Il m'en restait pas, mais pas beaucoup. Je me suis dit, ah, quand même. C'est la saison des pommes duchesses. J'ai acheté des pommes duchesses. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il a rien, la toilette? Il est fou, lui. Tu es fougue, Caramel? Bon, tu bosses dans 5 minutes. Ah! Regarde ce qu'elle a fait, ta femme. C'est bien, c'est intelligent, hein. Je voudrais pas que ça moisisse dans la maison, donc c'est lui qui s'en occupe. C'est bon ou pas? Non, c'est bon, allez, t'en as fait une sur deux, c'est bon.
Allez, une promotion, petit cop. Attends. Attends, j'ai la souris qui veut pas. Petit cop, travaillez dur. Regardez, ça monte. Oh, j'aime ça. Emmanuel, on s'en fout. Nous, on ne s'intéresse qu'à Copper. Elle est déjà au niveau 10. La gueuse, là. C'est pour ça qu'elle ramène du sous. Vous croyez que comme elle est déjà niveau 10 dans la même branche que Copper, il peut pas devenir niveau 10 parce qu'il y a déjà quelqu'un qui l'occupe? C'est possible, ça, ou pas? Ah, mais lui, il a zéro truc, quoi. Oh, regardez, purée, on peut le faire, on peut le faire. Oh, on est si proche. On est si proche. Oh, oh la vache. Va jouer dans le bain, je m'en fous. Les gamins, bah lui il va manger. Viens manger. Et toi, bah t'es nickel. Bon bah tu vas faire le ménage, allez hop. Ah, mais Copper. Oh, Copper, il a besoin de divertissement. Oh, je suis censé avoir la promo. C'est validé. C'est validé. Ah, oh, je touche plus rien là. Je touche plus rien, maintenant j'attends. Il reste quelques minutes. Oh my god. Prendre femme de ménage. Oh, ça va. On fait des économies pour nos enfants. Salut Quentin, comment tu vas? Attention, quelques minutes. Est-ce qu'on a bon pour la génération là? C'est bon. Enfin, pour la promotion, la génération. Aïe 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 aïe. Et je pensais pas. Hein. Je pensais qu'on allait faire en 2-3 jours de boulot, pas en une journée. Hein. On a réussi. On a fini la promotion. La carrière. Ah, punaise, la promotion. Oh oui! Promu au poste d'oracle! Il gagnera désormais 82 simflous de plus pour avoir soit 316 simflous de l'or au total. Oh, il a regagné en bonus 6560. Le moucheron, ta mère, toi aussi. Un ordinateur portable méfait et des nouveaux vêtements. Mais j'y crois pas! Quel pied! Oh la vache! Je pensais pas qu'on l'aurait fait en une fois! Mais Copper, mais mon petit! Regardez, il est vénère là, regardez! Ouais, qu'est-ce que tu veux, toi? Ouais, tu me parles pas comme ça. Moi, je suis un méchant. Le méchant, tintintin, oui, c'est moi, c'est le méchant. Oh, c'est trop bien, je suis trop contente. Donc maintenant, il reste que les capacités, les compétences. Comment il la mate? Ouais, tu t'en fous, wesh. Le nombre de fois où elle a allumé la télé, qu'elle t'a dérangé. Elle a un lit, hein, si elle est fatiguée. Ah, oh, la vache, ça fait du bien. Il a bien travaillé, grave. Ce soir, petit repas de réconfort. Soupe de poireaux Saint-Jacques. Toute prête. Ah, berk. De Gyoza, tout prêt. Je connais pas, du coup, il y a un assortiment de charcuterie pour les garçons, c'est mon film pour moi. Mais moi, j'ai fait une soupe hier. Pommes de terre, butternut. Du coup, j'en ai repris ce midi. Je pense que je vais la finir ce soir. Tranquille. À la tienne, Valouchkaya. Hey, un petit coup d'eau là. Ah, c'est trop cool. Bon, allez, va vite te coucher. Comme ça, après, tu vas bosser à fond tes compétences là. Bon, après, on a le temps. Hein. Tant que eux, ils sont pas adolescents. J'ai encore le temps de finir la génération orange, mais. Je suis trop fière, mais ça a été vite, j'ai l'impression, pour sa carrière. Il y a des carrières, c'est beaucoup plus long que ça. Ah, ça fait du bien. Tiens, tu peux me débarrasser ça et puis t'iras te coucher aussi. Qu'à faire. Voilà. Ouh, oublie pas de sauvegarder. Tout à fait, c'est une très bonne remarque. Comme ça, c'est fait.
Mais non, champagne, bah j'en ai pas moi. Vas-y, hein, achète-moi. Du coup, j'ai du champagne qui dort comme ça, dans le frigo. Que même. Cours de sport. On continue à courir. Nous, on est honnêtes. Ah, voilà l'erreur. Oh là! Ouh, les vénères! Il va faire du caca colère. Et ce mec-là, je vais l'éliminer, je vais l'enlever de la game, c'est pas possible. Il me saoule! Le nounou, là! Relou as fuck! Allez, dépêche! Sur quoi on va le faire travailler? La preuve, il est relou. Dégage. Mais toi, t'as un problème dans ta tête, hein! T'es pas fini, hein! On t'a engagé pour surveiller des gosses, pas pour nous harceler derrière. Oh! Mais fous le camp! Mais what? Mais dégage de chez moi! Ah! Mais quand je vous dis qu'il est pas net! Je vous jure, lui, dès qu'il voit qu'il y a les enfants qui sont tout seuls, il va venir les violer! En même temps, il s'appelle Chaud. C'est qu'il est chaud. La piscine pour l'ex-nounou. Allez, allez, on va se faire plaisir. Ouais, mais j'ai pas beaucoup de place hein, dans le terrain. Fou. Viens là, viens dans la piscine, petite nounou. Ouais, on va faire une micro-piscine. Hein. Viens. Viens dans la piscine, viens. Viens. Viens te baigner, tu vas voir, c'est sympa. Appelle-le. Viens t'asseoir là. Et tu vas l'appeler. Je pense pas que ça va marcher. Est-ce qu'il a l'air buggé? On va t'offrir un cadeau amical, ouais. On va t'offrir une pièce d'amélioration. Viens, Jean-Claudius! Non, il est bugué! Bon, bah, ils auront une piscine. Ouais, on ramène Marina, ouais. Nous, on ausculte tout ce qui pourrait être intéressant pour plus tard. Bon, lui, il est colère. Alors, va prendre une douche froide, ça va te changer, remettre les idées en place. J'allais dire qui c'est qui tape, mais c'est Marina. Ouh, Marina a les yeux verts. Marina a les yeux verts. Viens vers Marina, elle a. Et ramène Nina. Bon, là, elle a un sale look, mais. C'est discutable! Plaisanter sur les crottes de nez. Cop, cop! Tu peux te lever, stop, stop! Quoi? Qui c'est qui est mort? Quoi de neuf, docteur? Sakura est malade et a vomi dans le hall devant les autres élèves. Dégueulasse! C'est une grosse dégueulasse, cette gamine! Je vais préparer des pâtisseries après. Bah ouais, mais je suis désolée, faut faire 15 000 trucs de pâtisserie pour augmenter. Bon, bah on fait ce qu'on peut, hein. C'est chiant, hein, mais c'est comme ça. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais allez, elle fait un sandwich pour bouffer des chips. Si en seulement tu les bouffais en même temps, je comprendrais. C'est comme moi. Moi, je mange des chips et en même temps, je fais autre chose. Oh, elle a pas l'air très belle, n'empêche. Il est vachement sexy, Copper. Ah, il est disponible dans la galerie avec sa famille et ses enfants. Mais t'en fais ce que tu veux des enfants et de la femme, hein. Tu peux le garder juste pour toi, hein. T'as mis, il m'a tout cassé! Mais ça suffit, oui. Bon, heureusement, il a eu niveau 10 à la carrière, donc je peux pas trop lui en vouloir. Hey, maintenant tu travailles ta pâtisserie. J'espère qu'on va augmenter quand même, parce que... Pâtisserie niveau 7. J'aimerais bien que tu arrives au niveau 8 quand même. Ouais, on n'est pas... C'est pas gagné, hein.
Alors, tu quoi que tu nous fais déjà? Des bagels aux oignons, donc tu mets un œuf. Alors, en, moi, en vrai, dans les recettes que j'ai fait de bagels, ils demandent pas d'œuf. Donc, je sais pas si aux États-Unis ils mettent des œufs, mais pas chez nous. Bah après, il faut les frire dans l'eau. Pareil, je l'ai jamais fait. Enfin, j'ai essayé une fois, j'ai fait... Ça se part en lambeaux, donc je le fais pas. Oh, puis, et, mais la télé est cassée! Dis pas que c'est encore la nounou. Putain, mais... Salut, Laxou! Oh, tu as loupé quand même une heure de notre Sobéry. Tu as loupé une heure de notre Sobéry. Le petit copper, ça y est. Il est niveau 10 de la de sa promotion. Qu'est-ce que j'ai... Je n'arrive pas à parler aujourd'hui. Il est niveau 10 de sa carrière. On a réussi à le faire. Et ben là, du coup, on va bosser sur ses compétences, dont la pâtisserie. Oh, merci Marie! Merci beaucoup Marie! Merci beaucoup Marie pour ton sub. Gros bisous à toi et Smiley Boule, merci énormément. Tu nous as fait un petit bébé, 9 mois de fidélité. On a fait un enfant toutes les deux, j'ai peur. À mon avis, il va être chelou. Hein. Viens dans la piscine, Nounou. Viens. Viens, regarde, il y a une petite fille en maillot de bain. Viens. Je suis sûre que t'aimes ça, les petits enfants en maillot de bain. On l'appelle comment? Je sais pas. Marie-Lay? Shirley? Je ne sais pas. Nager, discuter! Non, on a fait une mini-piscine pour y foutre la nounou, parce que j'en ai marre du harcèlement. L'ex-nounou, hein, parce que c'est quand ils étaient bébés ou bambins. Je suis tellement stressée que j'ai un pied qui assoit sur les trucs. Tu sors. Viens, Bichette, sors de la piscine. Arrête, il fait gaffe, il va vite te choper là. Il est en train de te mater, il va te choper. Sors de là. Ok, c'est bon. Ah non, c'est bon là. Il m'a gavé. Hein. Il m'a gavé. Tant pis pour la piscine, les enfants. Bah voilà, tu peux aller faire ta vie maintenant. Vas-y, ma petite. On est enfin débarrassés. Voilà, même elle a fait... Ah, super! Bah, y a des enfants aussi qui sont pas à nous, qui traînent dans la maison. Donc, ouais, comme ça, on va le laisser là, lui. On va être tranquille. Tandis que Copper est en train de cuisiner. Encore. Bientôt niveau 8. C'est long, hein, pour la pâtisserie. Hein, Comment vous faites pour que vos Sims regardent les nuages? Moi, j'ai pas l'option, pourtant j'ai saison. Tu dois appuyer, tu dois cliquer sur le Sims. Soit tu veux le faire avec quelqu'un, et dans ce cas-là, tu... Par exemple, elle. Je vais cliquer sur Copper. Demander de regarder les nuages. Mais si tu veux juste que faire elle, tu cliques sur elle-même. Et normalement, tu dois avoir regarder les nuages. Voilà, c'est sur le Sims que tu veux qu'il regarde les nuages. Bah, tu peux faire le ménage aussi. Ouh, le bon pain au fromage, mon petit cop-cop. Vas-y, mange le sandwich au fromage fondu. Regardez tout ce qu'il nous a préparé là. Oh là 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 là, ça donne envie. Eh, vas-y, tu vas tout bouffer. Il a pas eu son niveau 8. Punaise. 96%. J'avais pensé à ça quand tu devais terminer l'aspiration. Ennemi public, tu es la nounou. Ah non! Bah tu vois, on a pris un vieux qui traînait dans le coin, quoi. Non, là, c'est bien. Il est trop chelou, en plus. Il est pas net. Il est pas net, celui-là. Ah bah, s'en va, ok. Mmh.
Oh, elle est mignonne, elle a fait ses devoirs toute seule comme une grande. Trop chouquette. Bon, lui, après qu'il ait bouffé, il fera le ménage. Et puis, il fera ses devoirs aussi. Hein. Voilà. Quand même les éduquer, quand même, ces gosses. Tu travailles pas. Ok. Donc, j'imagine que Copper non plus. C'est ça. C'est bien, on va pouvoir avancer. Ils sont mignons, ces enfants, regardez. Nos petits jumeaux qui font leur devoir. Pas de soucis, Martial. J'ai trop faim, car mon père... J'ai pas compris, Quentin. Ah, il faut Destination Nature? J'en ai aucune idée. Je sais pas avec quoi ça vient, le regarder les nuages. Il devrait mettre des petites icônes, en fait, sur savoir d'où ça vient, comme ce que quand on a tout, tous les extensions, c'est plus. Ils vont être encore malheureux pendant des jours. Oh non! Oh non, ils iront pas assister. Hein. Le problème, c'est qu'il est pas dans mon foyer, donc s'il meurt pas aujourd'hui dans le Let's Play, il sera débugué et plus là dans l'épisode prochain, donc... Faudrait qu'il meure rapidement. Pire, je l'élimine de mes foyers du jeu, hein, ça suffit. Hein. Vas-y, regarde la télé en même temps. Avant que je te refasse travailler sur autre chose. Programmation, pâtisserie, charisme. Ah putain, il y a encore pas mal de trucs à faire. Tu vas me refaire de la pâtisserie? Parce qu'il est à 96% et que je peux pas laisser passer ça. Et il va me faire du charisme après. Voilà. Tranquillement. Imaginez-vous de la bouffe ou... par milliers, là. J'ai envie de manger, mon père finit son taf à 20h30. Ah, faut attendre que papa rentre. Parce que c'est l'homme de la famille, donc c'est lui qui décide. On finit pas tant qu'il est pas mort. Avec le MCC, pas... Si, avec le MCC, c'est en 3 clics, hein. Donc, mais bon, c'est pas très RP, quoi. La meuf, elle a des abdos ou quoi? C'est-à-dire que Copper, il fait la cuisine, il salit tout et c'est elle qui nettoie. C'est pur ego drôle de tuer Nerk 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 complètement. Mais arrête de faire le gogol. Parce qu'au niveau presque 8, tu sais toujours pas gérer une bouteille d'huile. Ce qu'il faut pas dire, quoi. Parce que là, c'est RP. Tout à fait, on va tuer le nounou, il nous harcèle. On le noie dans la piscine. Parce que ce débile ne sait pas passer à travers la clôture. Il sait pas. Oui! Le niveau 8 de la pâtisserie! Il peut désormais préparer un cake aux fruits. Le fameux cake aux fruits, on pourra le donner à tous les voisins. De la gelée arc-en-ciel. Un gâteau à la gelée arc-en-ciel. Oh, quelle horreur! Et un pain artisanal aux herbes dans une cuisine. Il peut également préparer des biscottis au chocolat avec l'usine à cupcake. Ah, c'est pour ça que vous voulez l'usine à cupcake. Moi, comprendre. Allez, tu vas me le faire tout de suite. Je suis pas avec le bon Sims. J'allais dire... Elle est passée où, ta capacité à faire des pâtisseries? Je ne la vois pas. Pudding au pain. Bah, c'est pas vrai. Ils sont où? Pareil, des pâtisseries. Bah. Ils me l'ont bugué. C'est pas grave, il va y faire du charisme. Faut peut-être un truc dans le frigo, mais logiquement, non. Attendez, charisme? C'est sûr? Ou c'est moi qui m'invente des règles? Non, charisme et pâtisserie, ok. Attendez, charisme et pâtisserie.
Maximum compétence charisme et pâtisserie. Maximum carrière criminelle, aspiration ennemi public. Donc j'ai pas trois trucs à finir, j'en ai que deux. La programmation, on n'a plus besoin de la faire. Ok ! Moi j'allais me compliquer la tâche. Il nous reste que charisme et pâtisserie, hein. La programmation, c'était avec la carrière, mais au final, il a peu besoin. Nickel ! Voilà, 8 en charisme, allez ! Fais le gâteau à gelée pour donner à ta femme. Mais non, il peut pas. Il a pas la possibilité. C'est grisé. Pourquoi ? Pomme, raisin ou poire, mûre, cerise ou fraise. Mais depuis quand on est obligé d'avoir des trucs dans le... Oh, ça va me saouler, moi, hein. Dis donc, eh oh. Zut, hein. Je peux pas commander des fruits. J'ai des graines. Des fruits. Ouais. Ah, super. Allez, arrête avec tes jeux, là. Alors, on a eu pomme, raisin, banane. C'est bon ? Ah bah, on a que ça, en fait. Super. Bah, on va tout donner à Copper, comme ça, il va pouvoir faire ses gâtales. Non, mais d'habitude, tu les achètes, les trucs. T'as pas besoin d'avoir une obligation d'avoir des trucs sur toi. Là, ça fonctionne. Hé, hey, tu vas faire le cake aux fruits. Le truc, il y a tellement de bouffe. Biscuit au beurre de cacahuète. Tarte à la crème aux bananes. Pain à la banane. Le banana bread. Banana bread. Des bisous, mon soldat. Bonne soirée à toi. Il manque des ingrédients. Oui, mais d'habitude, tu les payes, je veux dire. Tu vois, c'est pas... C'est pas obligé d'avoir les ingrédients tout le temps sur toi. C'est chelou. Moi j'ai tué la proprio, elle me gonflait. Oui, mais ça allait forcément en remplacer, donc c'est dommage. C'est pas avec la machine à cupcake, non. C'est moi. C'est quoi le gâteau à la gelée, Marie veut savoir. Bah, c'est un gâteau à la gelée. J'en sais rien. Je sais pas, moi je l'ai... Je suis jamais allée faire de la pâtisserie. Bah je peux pas. Pomme, raisin ou poire, mûre, cerise ou fraise. Purée. Il faut chercher des mûres là, ou des fraises. Qu'est-ce que c'est que ça? Non. Casse-toi. Je t'aime bien parce que t'es beau, par rapport aux autres, mais on veut pas de toi. Allez, hop, dégage. Le mec, il est même pas encore arrivé, il fout le camp. J'adore. Où est-ce qu'il y a des fraises, des mûres, des machins ici? Bah, de toute façon, il y a pratiquement pas de plantes hein, ici. C'est pas l'endroit où tu vas venir chercher des pousses de plantes, hein, moi je te le dis. C'est du persil. On s'en fout du persil. On s'en fiche du persil. Ouais. Mais je pense qu'il y a un endroit où je pourrais aller. Il s'est échappé. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse, les Sims. Si on peut même plus tuer les gens qui viennent chez nous. Ouais, je dois vraiment y aller. C'était très sympa, à plus. Ah non, les Sims, je suis pas d'accord. C'est pas cool. C'est pas cool. Nous, on achète un jeu, c'est pour pouvoir les torturer. Voilà. Mince, j'ai cassé un bout de mur. Là, je suis tristesse, hein. Je suis désolation et je suis colère. J'enlève la piscine même, du coup. Non, non, mais je le supprimerai, c'est pas grave. Il mourra dans d'atroces souffrances parce qu'en fait, je vais carrément supprimer son ADN. C'est comme s'il n'aura jamais existé. Ça, c'est un vampire. Je proteste. Il y a arnaque. Ah bah, je suis d'accord.
Il va venir chez nous, celui-là, ou... Caca colère. Caca colère. Ah, ça, c'est quoi? Des tomates! Oui, il vient chez nous. C'est un vampire. Yay, rends-nous nos 700 balles, là. Rends-nous nos 700 balles. C'est un démon. Salut, Tinoui, comment tu vas? Mais non, il est pas mort, il a des pop, il s'est barré. Comme si de rien n'était. Mais... Bah oui! Bah c'était sympa! Merci de votre passage, hein! Un monsieur d'apparence masculine avec une voix de femme, avec un maquillage sympathique et qui rentre chez moi pour me vider la poubelle et me foutre les ordures dehors. Par terre! Non mais... Mais on se croit où, là? Dis donc! Faites gaffe, hein! Mais dégage! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Genre, il veut dormir? Non mais... Bah dis donc! Ça va bien? Il se passe quoi là? C'est quoi ce délire? Coucou Sianana, comment tu vas? Mais ça va pas bien non? Ils sont qu'est-ce qu'ils fument dans cette partie? T'as pas avancé sur ton. Il a pris que 17% depuis tout à l'heure? Ouais, vas-y là, le jeu il est bugué, ça m'énerve. Ouais, non, mais c'est bon. Ouais. Va faire des pâtisseries, au moins je suis sûr que ça avance. Non, mais ouais, what the fuck. Ils ont... Un mec qui rentre pour faire le ménage, mais MDR. C'est pas même pas la première fois que ça m'arrive. C'est même pas la première fois. Les vampires, ils avancent comme ça tout menaçant, et puis ils vont nettoyer la douche. D'accord. Ça va, Tinouille. Il avoue les pâtisseries, il s'est dit je reste. Il avoue les pâtisseries. Il est allé, non, un petit peu. Non, il avoue les pâtisseries, il s'est dit ah, qu'est-ce que c'est bon ça. Accent italien de merde. Là, on est en train de faire le fameux cake aux fruits. J'en ai marre de ces jeux. Ah non, il me flingue. Non, franchement, c'est l'arnaque, hein, 17%. Waouh, c'est mieux qu'un cake, c'est une couronne aux fruits. Incroyable. Et les trucs de gelée, il me faut autre chose, du coup. Il me faut une fraise ou une mûre. Mais bon, voilà, hein, il faut... Bah, il faut que j'aille en chercher, hein, mais alors, bon, est-ce que c'est vraiment intéressant? Je pense que ici il va pas y en avoir. Il faut aller chez Iowa. Il y a des fraises. Ou bien chez les Flaubert. Hein. Chez les Flaubert, ils ont pas mal de fraises aussi. Ah, c'est les tomates là. Je me dirais, les tomates, c'est cool hein, aussi. Hein. Viens récolter les tomates. J'aimerais bien avoir des plants de tomates à ma maison. Pour pouvoir manger des tomates. Fraîches. Des tomates maison. Bon, j'essaie de voir partout, mais comme je connais pas la map... Ah tiens, le train! Oh, le train! Le train est en gare. Waouh! Waouh! Oh, le train-train! Il va où, le train-train? Eh! Oh, le train-train, il s'en va loin, loin! Chouchou! C'est pas le train de la hype, celui-là? C'est le train du Mont Komorebi. Attendez, on va essayer de le suivre. Ah oui! Est-ce que vous pensez qu'il va jusqu'au bout ou pas? Allez, on va suivre le train-train. Ah ouais, il va au bout. Pouf! Je ris. Ouais, va pisser, va dormir, toi. Il est 5h du mat.
Oh là 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 là! Vive le cake aux fruits, pas bon que les Sims n'aiment pas souvent, c'est ça. Mais là, c'est une couronne, tu vois, c'est un peu plus sympathique. C'est pas le même. Du coup, je sais pas si tout le monde, ceux qui vont le manger vont apprécier, tu vois. Automatiquement ou pas. Pâtisserie et charisme, les enfants. On va y arriver, hein. Peut-être qu'au prochain live, on finit la génération orange. C'est dingue, hein. C'est dingue de se dire ça. Oh là là. Il va tout au fond, oui. Coquine. Et le pain à la banane. Banana bread. Hop. On va aller chercher les tomates. Oh, pipiton, tu veux faire pipiton? Oh, bichette. J'ai pas du tout géré les gosses. Ils se gèrent tout seuls à cet âge-là. Ah bah voilà. Juste en parlant d'eux, ils se disent « Oh bah tiens, on va se lever, nous, hein. » Oh là là! Oui! Ah, mon biquet! Ça pousse dans la vessie, hein. Non, mais alors toi... Bon, fais le ménage si tu veux. Et lui, il va se coucher, là. Ils ont une chambre, hein, quand même, hein, je tiens à le dire. Allez, tu vas me manger une portion. Toi, fais le ménage, c'est bien. Maintenant, tu peux me manger une portion également. Putain, quand même, papa, il fait à manger, c'est pas pour que... Voilà. Ouais, va dish, ouais. Tu peux encore préparer une pâtisserie, s'il te plaît? Qu'est-ce que tu peux faire, du coup? Beurre de caramel mou, pudding... Tu sais, le cake aux fruits, ça passe, hein, mais il faut mûre cerise fraise. Sauge ou basilic? Ah, c'est dommage, j'avais du persil pas loin, là. Mais... Bon, j'ai déjà oublié où. Faudrait que j'achète des herbes aromatiques. Ça, c'est du persil. Tu me diras sur la map, du coup, on peut avoir des tomates et du persil. Je sais pas s'il y a autre chose. J'ai tellement du mal à me repérer. Mais c'est dommage qu'ils aient pas inclus une nouvelle plante. Écologie, ils avaient mis le soja. Je trouvais ça pas mal parce qu'en plus, on peut le cultiver, le manger, en faire des boissons. On peut aussi récupérer la cire, tout ça. Enfin, c'était cool. Mais là, j'ai pas vu de nouvelle plante avec mon coco kebi là. Non, je sais que c'est Kororebi. Komorebi. Oh punaise, j'ai fait des efforts, j'ai retenu le nom. Au début, je pensais vraiment pas que c'était possible que je retienne tout le nom, mais. Bon, mais il n'y a pas grand-chose hein, sur cette map. Hein. Ne commencez pas un challenge ici, c'est pas ici que vous allez trouver grand-chose. Parce qu'il faut se faire de la thune, bah, la thune, elle sera pas ici. Je vais dans tous les sens à chaque fois, hein, mais. Mais je ne trouvais pas quelque chose d'intéressant. Oh, oh. Non, 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 non. Non, 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 non. Bah, tu peux manger aussi tes productions. C'est quoi la prochaine couleur? C'est rose, ça se voit. Tu vois, les gamins, ils sont tous en rose. Donc c'est rose. Et le mélange orange-rose n'est pas très heureux. Mais ce sera pire encore après, au niveau des mélanges. Tu vas pas faire une set histoire d'écouler toutes ces pâtisseries? J'avoue, je devrais. Et comme ça, il pourrait faire du charisme à mort. Attends, elle a dormi. Non. Va dormir, Courgeasse! Et lui aussi, comme ça, pendant que les gamins ils sont à l'école, ils vont dormir. Et après, bah, on va inviter la famille, les sœurs et tout, pour que tout le monde vienne bouffer. Après, c'est pas grave, hein, c'est mis à la poubelle. Ils boufferont tout et puis il fera du charisme à tout le monde. Le pire, c'est commencer un challenge à Strangerville. J'ai une bonne idée. Ouais, mais de toute façon. Ça pourrit, tu sais, au bout d'un moment. Peut-être que d'ici tout à l'heure, 10h, 8h, 9h. Donc peut-être qu'il y en a qui seront sauvés. Hop.
Eh hey, Ginette, va bosser, va bosser, va à l'école. Ça faisait longtemps. Économie d'eau, ouais, tout ce que j'aime. Oh, les codes par cœur, les trucs comme ça. Hugo. Et Louise, je crois que c'était. Oui. Ah oui, Marc. Non, Marc, c'est la lienne! Oh non! Non, c'est pas grave, on va lui dire de partir. Dans ce qu'il est flippant. Non, tu t'en vas. Tu peux pas partir. Va-t'en. Va-t'en. Il veut pas. En plus, il est habillé comme dans le Notre Sauvé. Le Notre Sauvé. Comme dans le Lord Ennedi. Comme un petit fermier. La vache. Oh putain, oui, y a pas d'eau. Va te laver là-dedans. Va nager. Va nager. Faut pas se laver. Ça l'a pu. Bon, toi tu te lèves. Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, c'est le. Ah ouais, voilà. On va pas diminuer. Alors, tu vas commander un. Événement social. Les gamins, faites vos devoirs. Dîner de pigeons. What? Les dîners de pigeons sont des événements réunissant les rebuts de la société. Criminels, marginaux, brutes épaisses. Tous ont leur place dans ces soirées à couteau tiré. Nommer un invité d'honneur, puis ridiculiser-le en faisant des blagues perfides et en racontant des anecdotes sur son passé, succès garanti. Qu'est-ce que c'est que ça? Je connaissais absolument pas. Mais non. Mais c'est génial. Ah, je le fais. Ah, je le fais. L'invité d'honneur, vous devinez qui ce sera? Voilà. Oh, ça va être bien ça va être bien. On va inviter Autumn. On va devoir inviter Okiyoshi, on va inviter Sunset et Fox. On va inviter d'autres personnes, hein. Oh non, mais toi t'es trop moche, toi par contre. Argo? Le dîner de conversion Sims. Vous aurez besoin d'un micro. Pas de problème, moi ça me va. Pardon. Mais c'est quoi ça? J'adore. J'adore l'idée, les Sims. Là, vous me surprenez. Je suis, mais ravie. Tu peux faire tes devoirs, hein, toi. T'es pas invité. Incroyable. Tim Yanabe, Bora, Shushi. Invité d'honneur. Ah, purée! Ça me fait tellement rire! Regardez Sunset! Mais alors, Sunset Moore? Oh! Autumn est enceinte! C'est pas moi! Et Sunset s'est mariée! C'est pas moi non plus! Avec Nicolas Moore! Bon, c'est pas qui c'est, hein. Et lui, c'est quoi? C'est Thomas Vaughan! Oh la vache! Autumn, tu vas nous pondre un gosse! Est-ce qu'il va s'appeler Hiver? Autumn qui fait un bébé hiver. Elle était bonne celle-là. Oh lolo!
Je suis estomaquée, eux. Comment elle va, l'autre, là? Elle s'est lavée? Elle est en robe de... Elle est en robe de bal dans la... dans l'eau. Merci pour ce petit frisson. Merci beaucoup, petite dragon. Salut, Kainatsu, comment tu vas? C'est un nouvel événement, je sais pas. Mais je pense, oui, que ça se débloque avec la carrière de bichon. Tiens, tu vas venir nager sur que là, il faut que tu te débarrasses de ton odeur. Avec ta robe de... C'est complètement n'importe quoi. C'est complètement n'importe quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Qui êtes-vous? Ah, je t'ai invité? Il paraît que ça aide à enlever les oeufs et un petit coup de stress. Ah non, mais moi ça marche pas. Que la respiration qui fonctionne. Oh, mon pauvre petit plafond qui se prend plein de coups dans la gueule. Si est-il pas toujours vrai, visage avec des larmes de joie, visage avec des larmes de joie, visage avec des larmes de joie. Mais j'ai flippé mon lapin. T'allais aussi. Mais tu sais, t'as fait peur à tout le monde sauf à moi en vrai. Le dîner de pigeon, ça débloque quand tu as une réputation désastreuse. Ah bon? T'as une réputation désastreuse, mon biquet? Oui. Atroce. Mais toi, tu te casses de là. On t'aime pas. Oh putain. Ah, c'est trop bien. Bon, c'est bon? Eh, tu peux revenir ici, va. Tu pourras un peu moins. N'hésite pas à... Ah, tu peux pas inviter à manger? Appelez à table, vas-y, tu t'en fous. Ça y est, Jean, il mange. Qu'est-ce que c'est ça? Macaroni au fromage. Non mais mange pas. Tu vas aller ridiculiser l'invité d'honneur. Ça y est, il arrêtera de venir. Bon, allez, tu me saoules. Copper, les gosses, il y en a un qui peut vider la poubelle. Alors, vas-y. C'est la télé qui fait des bruits bizarres. Il est où? Ah, il est là-bas. Il y a personne qui écoute. Vas-y. Il l'a ridiculisé. Alors, tu vas me faire un peu de... Tu connais pas ta propre... Ah non, c'est elle. J'allais dire. Qui connaissait pas sa propre sœur, ça devenait grave. Non, toi, tu vas faire du charme à tout le monde. Je vais parler de cuisine aussi, si tu veux. Non, pas à lui, tu lui parles pas. Aurélie de la Cruz. Ah, il y a des gens, ils se sont squattés là, alors que c'est pas des gens qu'on a invités, quoi. Toi aussi, tu vas inviter, tu vas ridiculiser l'invité. Il a pas l'air très très triste quand même. Hein. Et bien, merci Poignard Mortax pour ton follow et bienvenue à toi. La classe Copper avec son costume, bah attends. C'est le best. Donc, qu'est-ce qu'elle fait, Germaine, là? Va ridiculiser l'invité, là. Pour l'instant, il est pas triste, hein. Franchement, ce mec, il s'appelle Sho et pourtant, il veut juste niquer mes enfants, quoi. Enfin, en tout cas, il a un truc, il est un peu bizarre, ce garçon. Yeah.
Oh, Sianana! Merci pour ton host. Ouais, on va avoir de grandes aspirations. Sentiment obtenu. Ah bon? Allez, retourne ridiculiser l'invité là, qu'on rigole. Il faut que, faut lui mettre sa race, hein. Il est pas vraiment retraumatisé, hein. C'est un peu triste, hein. Ah, ils aiment pas, ça pue. Ça a pourri. Alors, tenez, il y a un cake aux fruits pour vous. Truc de chocolat, allez-y, hein. On a plein à bouffer. Servez-vous. 75 simflous pour. Mais je t'ai. Ah mon dieu, mais elle est déjà très très moche. Et ça s'est pas arrangé avec le temps, hein. Ah merde, le tapis! Ah bah voilà, j'ai mis un tapis, le tapis je l'ai remis, donc forcément ça déconne. Tu vas refaire du charisme à tout le monde, aux alentours. Il y en a, ils squattent, hein, c'est clair et net, hein, ils squattent. C'était pas du tout eux qui étaient censés venir, mais c'est pas grave. Rendre l'invité d'honneur hystérique. Ah, c'est mal barré, hein, par contre. Hein. Oh, ils sont des câlins. Et alors, Fox, t'es toujours pas marié, mon coco? Et non, il n'est toujours pas marié, Fox, le petit dernier de la portée des oranges. Il n'est toujours pas marié. Ah, mais je suis contente que les filles fassent leur vie. C'est mignon. Maintenant, Autumn va nous faire un bébé, et puis, ben, Sunset aussi, hein, apparemment. Ah, c'est buggy. Qu'est-ce qu'elle fout à manger, elle? Bon, on n'est pas près de les rendre hystériques, quand même. Hein. Ah, tu vas raconter des blagues et puis le ridiculiser encore une fois. Parce que comme je voulais qu'il fasse du charisme... Oh, le charisme, il n'a pas pris beaucoup. Hein. Il n'a pas pris beaucoup, beaucoup. La petite téléphone à la main, je suis pas sûr, c'est pas grave, ça fait toujours plaisir. Là, il soutient ton mari. Regardez-le, il est encore avec les enfants. Ah ça y est, on peut en prendre une douche. Ah, il est content. Il se fait ridiculiser et insulter, mais il est content. Ah oui, mais il fait des blagues là, c'est pour ça. Maintenant que tu as toute notre attention, monsieur, c'est temps de te faire rôtir un petit peu. Non, il n'est pas marié, Fox. L'invité d'honneur aide les gosses à faire ses devoirs, mais c'est ça, c'est... Je dis, il a un problème, ce mec. Bon, l'événement est presque fini, hein. Un échec. On va pouvoir faire un petit pipi. Toi, tu pourras me prendre une douche. Et puis, bah, après, il y a du truc à bouffer, hein. Donc, franchement, faites-vous plaisir. Hein. Bon bah c'était un test hein. Maintenant tu peux te barrer. On veut plus te voir. Tu peux te barrer de chez nous. Merci. Et puis toi tu vas me prendre. Oh, décorer. Ah, vas-y, on décore. Et tu prendras une portion du fameux cake aux fruits qu'on a fait. Même si quoi, le feu? Mais non, il y a pas de feu. Par contre, ça l'a beaucoup amusé. J'adore. Ouais, parce que vous pouvez partir, madame. On vous a pas invité. Déjà.
Toi aussi, tu veux partir, hein, bichon. Ouais, dégage. On va pas s'excuser, on s'en fout. Mais toi, tu t'ennuies, là. Allez, hop, fais ménage. Sa sœur est déjà couchée. Tu peux t'en aller, j'ai dit. Ouais, bah, il est bugué. Et ouais. Bon, ça fait 1h40 sur le note Sobéry. Je pense qu'on va terminer là-dessus. On aura quand même avancé sur bah, le charisme un peu. La pâtisserie un peu. On a encore pas mal de taf. Hein. Pâtisserie, ça va être long. Mais on est arrivé au niveau 10 de la carrière. Et ça, c'est cool parce que je ne m'y attends des points. Ah, tiens, tira vidé aussi. Toi, mon petit bichon, t'iras prendre une douche et t'iras te pioter. Et il va... Ah non, c'est pas dormir qu'il veut, je suis con. J'allais dire, eh, je vais le recadrer aux bonnes horaires, mais non, parce qu'en fait, il est pas fatigué. Kebo yeba, oui. Kebo yeba. Bon, bah voilà. C'était sympa, ce petit dîner de pigeons, mais on a tout loupé, hein. C'était un fiasco quand même, mais bon, c'était rigolo. C'était à tester au moins une fois dans le jeu. Dîner de pigeons. Après, c'est Edgar, tout à fait. Le brûlé, l'ex-nous... Ah ! Salut Tundra, comment tu vas ? Ah oui, on va avoir fini le note Sobéry, mais c'est pas grave, on va continuer après, on va construire la maison d'Iowa. Du moins, la décorer. Tu peux aller au pipi, j'en sais rien, moi. Mange un truc et va te coucher. Ah ! Qu'est-ce qu'il va faire, Copper ? Charisme pâtisserie. Pff, la pâtisserie, c'est vraiment le truc qui est le plus long, quoi. Et le truc arc-en-ciel, on peut toujours pas le faire. Donc, tu vas me faire ça. Tu vas me faire pudding au pain, je m'en fous. Voilà. Et rien qu'à coffrir. Allez, mon biquet, on t'observe. Tu nous fais ces trois trucs-là et je te laisserai tranquille. Nouvelle commande, j'adore. Ça, c'est $10. Mal de crainte qui passe pas, je vais enfin pouvoir me poser avec vous. Ah, bah bien, viens. Viens te reposer la tête. Arrête de mettre les trucs dans les... Ça a l'air pas mal en plus. Hein. Une tarte aux crèmes banane. Tarte à la crème aux bananes. Mmh. Ça doit être chelou, mais j'aimerais bien goûter. En vrai, ça me dégoûte moins que d'autres plats qu'ils peuvent faire dans les Sims. Je vais y arriver. Et toi, le chat, comment ça va? Bon, ça va. Mes bébés aussi, ils vont bien. Regardez, petit Moumou qui est là. Oh, toujours aussi calme, un doudou. Hein? Tyrion, je lui ai acheté un nouveau jouet aujourd'hui. J'ai hésité parce qu'il y avait un présentoir genre « Ouais, pensez à votre animal de compagnie pour Noël. » Je sais que Tyrion va kiffer. Mais Dex, voilà. Bon, je vais prendre pour Tyrion, même si à la base, ce serait pour les deux. Mais je sais que Dex va pas jouer avec. Tyrion, qui a l'habitude de foutre son nez dans les trucs de course. Chaque fois que je rentre, il faut qu'il mette son nez dans les sacs. Parce qu'il a envie de savoir ce que j'ai acheté. Il commence à fouiner, puis genre, il va au fond du sac, puis il commence à être excité. Je sais, qu'est-ce que t'as vu, toi? Parce que je sais qu'il a vu le jouet. Et là, donc, je le sors. Il est devenu taré. Il s'est frotté dessus. D'ailleurs, j'ai mis une story sur Instagram, si vous ne me suivez pas. C'est pas grave, vous pouvez aller me suivre. Ou vous pouvez juste aller regarder la story. Vous allez voir. Il était dingo. Il a été fou pendant au moins 1 ou 2 heures avec ce truc.
Et puis il s'est calmé, du jour directement. J'ai fait ok, tout va bien, Tyrion, tout va bien. Et voilà, lui il va se coucher et elle se lève. Ah, c'est bien, tu m'as fait des puddings au pain. Des puddings au pain. Qu'est-ce qu'il m'a mis là? Qui m'a mis ça? Ah, bref, il m'a déjà dégommé une des plumes du jouet, mais il a grave kiffé son joujou, quoi. Ça m'a fait plaisir. Parce que je suis un peu gaga de mon chat, de mes chats. Mais il était trop choupi, là. Il en pouvait plus, là, à sniffer son truc. Ma Gertrude, il y a à manger, là. Tu viens et tu retournes te coucher, comme ça, moi, je finis la journée. Je finis mon live, là. Enfin, je finis la note Sobéry. Va te coucher aussi, toi, et hop, je vais plus te voir. Tout le monde au lit! Il est 5h du mat. Vous allez dormir. Et voilà. Moi, j'enregistre ici. Et je vous remercie, YouTube, pour avoir regardé cette rediffusion. Je vous fais des très gros bisous. Dites-moi en commentaire hein, si vous pensez que la semaine prochaine, on finit la génération ou encore deux épisodes. Histoire d'attendre, ne pas être trop rapide et d'attendre la génération rose qui grandit en adolescent. Et puis, ben, il va falloir qu'on se pose la question de comment on élit celui qui gagne. On va déjà voir ceci, il y en a un qui est dégueulasse. Il ne participera pas. Enfin, ce sera l'autre qui gagnera. Enfin, on verra bien ce qui se passe pour le... Vu qu'on en a que deux, j'espère que les deux seront potables. Allez, moi, je vous fais des gros bisous. Des bisous YouTube. Et on se retrouve pour une prochaine fois. En tout cas, pour notre Sobéry, à la semaine prochaine. Ciao.